Aujourd'hui c'est samedi. Aujourd'hui c'est samedi. Donc, bah, comme la semaine dernière. Tiens mon grand. Merci, la haute. Oui. Et donc aujourd'hui, bah, il va falloir qu'on aille retrouver un artisan ou quelqu'un qu'on connaît, on a dit, hein. Ouais. C'est ce qu'on avait promis. Oui, c'est ce qu'on a promis. Et ben c'est parti. Tu sais où on va? Non. Ah. Attends, j'ai mon pendule. On va voir où est-ce qu'on va aller. Attention. Alors. Ok, c'est du côté de... D'accord, je vois où c'est. Bon, moi, j'ai pas trop le sens d'orientation, mais je fais confiance à mon GPS. Super, bah, tu sais où est-ce qu'on va aller? Chez l'artisan qui fabrique des pendules. Ouais, il s'appelle comment? Ben, il s'appelle Noël. Noël? Noël. Ouais. Hmm. On y va? Ouais. Tu me suis? Oui. Tu connais la route? Allez, c'est parti. Et nous voilà. Voilà arrivé chez Noël. Et alors par contre, je te préviens, attends, on va déjà suivre son petit chemin. Oui, et tu voulais me dire quoi ? Il y a de la neige, regarde, de la neige, c'est long, il y a des rennes. Alors les rennes, Père Noël. Attends, je voulais te dire un truc. Dis-moi. Et je te préviens, il s'appelle Noël, il est dans un atelier. Si jamais tu as une fille, je te préviens, je me tais parce que si c'est le vrai Père Noël, il va faire la douille. Hein, Christelle a peur que ce soit le vrai Père Noël. Allez, en avant. Oh, qui c'est que je vois là? Hello. Et regarde Christelle, je crois bien que c'est vraiment le Père Noël. Hein. Il y a même des lutins. Bonjour. Bonjour Noël. Comment ça va? Bien et toi? Ça va, très bien. Bon. Je me recoiffe. Hein. Vas-y, recoiffe-toi. Parfait, nickel. Et je vois que t'as des lutins au fond. Ah bah oui. Oh là là. À l'atelier du Père Noël, en pleine effervescence en ce moment. Eh oui, alors dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, on fait du tournage d'art. Tournage d'art? Ouais. Nous, on fait pas que ça. On fait aussi de la couture, on fait de la maroquinerie. La couture, Christelle? Et de la maro? Regarde. Oh, c'est magnifique. Super décoration pour le sapin. Voilà. Ça pourrait même servir de porte-clés. Ah ouais, c'est ouais, des ouais, gros ouais. porte-clés. Ouais, mais pour les grosses clés de la maison, c'est, ouais. c'est un bon moyen pour pas les paumer, les clés. Alors on fait t'as dit, tout plein de choses. Des planches à découper, des planches à le saucisson, super, le pain. On voit tout le stock de bois derrière. Voilà. Avec des essences, mais du charme, du merisier, du sel, de l'acacia, tout plein d'autres. Waouh! Qu'est-ce que je vois au fond? Et je vois que Christelle parle même pas. Elle est silencieuse. Elle est bouche bée. Qu'est-ce qui se passe, Christelle? Non? T'oses pas parler? Allez, Christelle, non, il faut qu'elle soit sage. C'est super important. C'est super important. Faites Christelle et Cédie. Ouais. C'est le Père Noël. Ouais. Si je suis pas sage, ça va pas le faire. S'il faut pas déconner. Parce qu'on est au courant de tout. En fait, il y a mes lutins qui travaillent avec leurs petites mains, mais il y en a d'autres, bah, ils sont sur le terrain. Ah, et ils te surveillent. Voilà. L'atelier du Père Noël. Tu vois, je t'avais dit, hein. C'était pas une légende, hein. Ça existe, hein. Regarde, on voit même le lutin au travail. Waouh. Mais c'est un pendule, ça? Ouais. C'est un gros modèle. C'est un gros modèle. C'est un pendule pour des mains de géants. Père Noël! Père Noël, j'ai toujours été sage, moi! Je veux bien des cadeaux! Alors. Bienvenue à l'atelier du Père Noël! Merci. Eh bien, au moins, on va voir ce qui est venu à l'atelier du Père Noël. On va s'en rappeler. Ah ouais!
presque une musique de Noël en plus. Ouais, bah ouais, complètement. Ouais. Ah, mais souvent on écoute la musique de Noël en travaillant. Toujours, même. Bah, s'entraîner le temps. Ah, les lutins, sinon. Toute l'année pour ça. C'est pour ça. Voilà. Plein de petites suspensions, des étoiles, des sapins, des bottes. Mais Christelle, qu'est-ce que tu fais avec tous ces sacs? Ah mais non, mais parce que regarde, il fait des... Il est où? Il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Regarde, il fait aussi des tote bags. Alors, bah, je choisis. Moi, je crois bien que Formé aux Ânes va demander des tote bags avec brodé Formé aux Ânes. Ah bah ça, il peut le faire, le lutin brodeur. Mon lutin brodeur. J'ai vu tout de suite le sourire, elle s'est dit, ça va. Il n'y a pas beaucoup de lettres dans Formé aux Ânes, ça va le faire. Ah, mais il y a le logo. Mais il y a le logo, ah ouais. Là, et là, il y a du taf sur le logo. Et si t'as pas dit? J'ai pas dit. C'est où l'atelier du Père Noël? Ah bah oui, c'est où? Parce que c'est pas le tout, mais... Alors l'atelier du Père Noël, c'est à Trégueux, à côté de la caserne des pompiers au Perret. Super, ok. Parce que c'est tout en rouge, vous voyez, grand bâtiment rouge, bah, moi je suis juste après. Et est-ce qu'on va vous retrouver sur des marchés de Noël? Eh bien, c'est pas trop prévu, parce que les marchés de Noël, en ce moment, eh ouais. On n'a pas beaucoup de disponibles. Donc, si les gens... Ouais, dis-moi. Vous pouvez le 18 décembre à Lamballe, à l'espace de coworking de Lamballe. Okay. Sera indiqué sur le site internet, le site Instagram, pardon, Noël Camard. Je vais faire une publication ce week-end. Super. Et puis je vous mettrai le lien moi aussi du coworking sur Formé aux Ânes, parce que j'y suis aussi déjà allé. Un super espace. Très très bien. Bon, Christelle, on leur dit à bientôt. Oui, à bientôt. Namasté. Merci à vous. Ciao.